Maman, elles ont vu mon visage. Le Congo est bon de ça. Coco, Seigneur Jésus-Christ, oh, papa. Merci, Seigneur. Coucou, mes gens, dis quoi? Coucou, mes gens, oh. La maman ringaloise est bien rentrée du boulot, maman. Je suis à la cuisine. Je vous salue un peu, non? Ça fait quand même longtemps, ça fait longtemps. Je vous salue un peu aujourd'hui, là. Même pour 20 minutes. Avant de couper, maman. Seigneur Jésus nous a donné la diaspora. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Au Seigneur Jésus nous a donné les bienfaiteurs. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Au Seigneur Jésus nous a donné les bienfaitrices. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus nous a donné la diaspora. Alléluia. Hey! Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Maman, dans la vie, si, quand tu veux travailler l'humanité, travaille bien. Fais avec tout ton cœur. Dieu va t'élever. On ne force pas l'humanitaire. On est humanité, on devient humanitaire. L'humanité des réseaux sociaux, c'est bon parler humanité, humanitaire, selon Brakata. Il faut être, tu es né. Que Dieu t'a donné ça, que c'est depuis ton jeune âge. Quand tu parles de ton expérience, de ton passé, de ce que tu faisais pour les gens, on voit ceux qui étaient dans ton passé, qui avaient la différence dans ton passé. On confirme que cette personne s'est fait dans l'humanitaire. On ne force pas l'humanitaire, c'est naturel. Beaucoup viennent se faire voir dans l'humanitaire. Et puis ils s'en vont encore. Et puis ils sont éparpillés, ils ne sont pas vraiment focalisés. Quand tu fais dans l'humanitaire, tu dois avoir le cœur pur. Tu dois sortir dans les conneries. Tu dois avoir le cœur sain. Tu dois avoir l'esprit du pardon. L'esprit du discernement. L'esprit dont tu dois avoir, tu dois être quelqu'un qui va, tu dois être quelqu'un pur. Pur. Ça ne manque pas. Les gens voient la reine galloise. Les gens voient ce que la reine galloise fait. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de. Je ne sais pas quoi, de drame dedans. Il n'y a rien qu'on ne comprend pas dedans. On comprend que l'humanité de la reine galloise, c'est le destin. Il va se destiner. Parce que quand tu ouvres, quand tu plaides pour les enfants, pour les sans-voix, ouvre une structure sociale, lui. Ouvre une structure sociale. Il faut avoir un siège social, c'est très important, pour donner de l'eau à ces sans-voix-là. Quand tu veux vraiment faire dans l'humanitaire, ouvre quelque chose, ouvre quelque part où les sans-voix peuvent venir s'asseoir, manger, apprendre même un peu, se divertir, avoir l'amour. On ne parle pas humanitaire parce qu'il faut parler. Parce que j'ai remarqué que les gens sur la toile ils ont dit humanitaire, humanitaire, humanitaire. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'humanitaire. Arrêtez de vociférer la haine. D'attiser la haine et vous faites la propagande de l'humanitaire, s'il vous plaît. Dieu va vous frapper. Si on t'a dit, Dieu va vous frapper très mal. C'est pas bon. C'est pas bon. Les vraies personnes qui font dans l'humanité, c'est des personnes qui sont souples. C'est des personnes qui ont l'esprit du pardon. C'est des personnes qui n'ont même pas du répondant. Ils remettent tout à Dieu. Je dis qu'ils remettent tout à Dieu. Des vraies personnes qui font dans l'humanité remettent tout à Dieu. C'est des personnes qui ne sont pas trop bavards. Non, jamais. C'est les personnes loyales, les personnes pures. Et puis c'est tout, et ça ne chauffe pas. Vous avez vu seulement aujourd'hui, samedi. Samedi, aujourd'hui seulement là. Vous avez vu les entrées à Asda. Samedi, je vous ai dit, quand tu fais dans l'humanité, ouvre une structure sociale. Ouvre quelque part. Pour permettre à ces personnes dans le monde entier de venir donner, afin qu'on puisse partager au sans-voix. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu les entrées à Asda aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Je vous ai dit que la page est restreinte, mais la reine galloise est déjà internationale. La reine galloise est déjà. Donc, la reine galloise, quand tu parles de la reine galloise au PAO, ça ne va plus servir à rien. Parce que la reine galloise, le monde entier, ça a pris de l'ampleur depuis. Les gens sont derrière en train de venir. Il y a des surprises à venir. Il y a des surprises à venir, mes chers frères et sœurs. Serrez les ceintures, attendez la nouvelle de Dieu. Ha! Maman! Seigneur Jésus!
Jésus nous a donné les bienfaits. Alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Au Seigneur Jésus nous a donné les bienfaits. Alléluia. Oh, mes amours, il y a des surprises. On m'a dit ne parle pas encore. Attends que ça arrive d'abord. Que ne parle pas encore la reine galloise. Même les dons financiers. Ce sont mes bienfaiteurs qui ont dit que ne montre, n'affiche pas nos dons sur les réseaux sociaux. Ce sont mes bienfaiteurs qui ont refusé que ne dis pas ce que tu reçois, Asda. C'est les dons de Dieu. Nous sommes derrière toi avec un seul cœur. On voit ce que tu fais. Tu le fais par le fuma fuma. Tu le fais par la. Tu le fais par. Tu n'attends pas des gens. Toi-même, tu es dedans. Tu es engagé. Tu as fait, on a vu. Nous serons derrière toi jusqu'à la gare. Envoie les cœurs pour les bienfaiteurs. Maman Sandrine, maman Sandrine, ciao ciao. Maman Sandrine, ciao ciao. Bonsoir ma reine. Je suis d'accord avec toi. Maman Sandrine. Ouais, Joséphine Gongongo. Bonjour maman chérie. Bonsoir mère chérie. Voilà mon numéro. Quoi, tu trouves un petit boulot pour moi, ma mère. Je n'ai pas le boulot pour toi. Je n'ai pas le boulot pour toi. Que Dieu te bénisse, maman, mais je n'ai pas le boulot pour toi. Les gens qui ont de le boulot au pays, ça me suffit. Je n'ai pas le boulot pour toi, maman Joséphine. S'il y a quelqu'un qui a le boulot pour maman Joséphine qui est connectée là, appelez-la. Appelez-lui et donnez-lui le boulot. Maman, je n'ai pas le boulot. Moi-même ici en Europe, je vais faire le Dormassi. Je viens de rentrer chez moi. Ça ne va même pas 30 minutes. Je suis sortie depuis le matin, depuis 8h30. C'est là que je ne vais même pas dire sur les réseaux sociaux. Mais comme maintenant là, je fais que je suis la voix de mon Dieu. Ça ne me fait plus peur. Depuis 8h30, je suis dehors. Je suis allée faire le ménage. J'ai lavé 5 offices, comprenez bien. 5 offices. Les offices, c'est où les gens viennent travailler, les bureaux. Les bureaux qui n'ouvrent pas le samedi là. J'ai lavé 5 offices aujourd'hui là. J'ai lavé 3 maisons, les appartements meublés là. 3 maisons aujourd'hui, moi la reine galloise. Depuis 8h30, je suis dehors. J'ai les enfants handicapés à la maison. C'est ma fille Manabo qui a pris soin de mes enfants toute la journée. J'étais dehors. Je suis pas trop obligé de mettre la caméra, vous montrer que je suis en train de faire. Vous savez déjà ce que je fais. Vous connaissez vous-même que le gouvernement ici refuse que je travaille. Que je travaille parce qu'il doit regarder mes enfants handicapés. Et je me suis lancé dans le boulot pour soutenir les actions sociales que j'ai ouvertes avec le concours de la diaspora. Le concours des bienfaiteurs et bienfaitrices. Quand tu es une personne qui fait dans le social, attends pas 5 francs des gens. Donne d'abord pour toi. Donne d'abord pour toi. D'arrêter de venir raconter les choses à deux bas sur les réseaux sociaux, vous faites dans le social. Quand tu fais dans le social, avant que les bienfaiteurs n'arrivent pour te soutenir, montre au monde entier que voilà ce que tu as fait, sans attendre de personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là où on voit l'humanitaire. Je dois travailler comme ça chaque fois pour soutenir les actions sociales. Avant que mes bienfaiteurs... Voilà pourquoi j'ai dit que vous ne pouvez même pas me faire le rôle sur la toile. Que vous parlez de moi ou pardon, qu'est-ce Dieu a déjà mis la barre haut. Dieu a déjà mis la barre haut. C'est le travail de Dieu que je fais. Il me donne cette énergie pour le faire chaque fois. C'est de ça qui est, c'est ça qui est important. Wafi béni oh maman. Wafi béni oh. Oui, pas besoin d'afficher le montant. Ma reine, c'est Dieu qui donne. Oui, mais j'ai oh. Master chérie, mais j'ai oh. Il y a ceux qui disent que non, affiche pour encourager les autres. D'autres ils disent que n'affiche pas. D'autres disent que ne donne plus le montant de ce que. Parce que quand tu dis combien tu touches, on te signale les pages. Voilà ce qu'aujourd'hui ta page. Parce que tu as mis les vidéos sensibles. Comment on va faire le combat des 100 voix sans mettre les vidéos sensibles sur la toile? Je vous pose une question. Comment on va faire le combat des 100 voix? On appelle à la sensibilité pour aider le bas peuple en Afrique sans mettre les vidéos sur la toile pour montrer ce qui se passe dans notre Afrique. Malheureusement, on a tout signalé. Ça a réduit ma page en arrière. Mais Dieu merci, le Seigneur a propulsé la reine galloise. Le Seigneur a jeté, parce que le Seigneur a vu le cœur de la reine galloise. Que cette dame est engagée profondément dans ce que je fais. J'ai révélé ma mission à cette femme. Et elle a pris ça. Elle a embrassé. Elle m'a montré un peu. Maman, les petites nyama nyama de Facebook. Vous parlez de moi, ça me fait quoi? Vous ne parlez pas de moi, vous ne me parlez. Et qu'est-ce que j'ai à foudre? C'est vous qui m'avez mis en haut sur Facebook. La seule personne que je dois ici sur Facebook, c'est Fleur de Lille. C'est ma grande soeur, la reine mère Fleur de Lille. Le reste est là. C'est ma grande soeur Fleur de Lille qui m'a vu par hasard sur la toile. Qui m'a vu par hasard dans les réseaux sociaux. Et elle m'a arrêté la main.
Parce que Dieu l'a envoyé vers moi. Et on a fait chemin ensemble. Aujourd'hui, on reste grande sœur et petite sœur des réseaux sociaux. Elle reste ma marraine. Pas le genre de marraine que c'est la force, non. Marraine que c'est naturel parce qu'elle m'a cherché, elle m'a trouvé. That's it. That is it. Et j'ai ma maman, j'ai ma petite sœur, j'ai ma petite fille chérie Ndjombap. Oui, Ndjombap, t'es dans le Lofodia. Ma petite fille qui est toujours avec moi. Qu'est-ce que j'ai à foutre si on ne parle de moi ou bien ne parle pas de moi sur les réseaux sociaux? Bah, que ça a gribo, moi. Que vous parlez de moi ou pas, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait, maman? On parle d'une personne qui a eu des millions de vues dans le social. Hein? Donc, vos petites voix ne me servent à rien. Vos petites voix ne me. Ceux qui croient qu'ils ont la voix sur la toile, sur le bracata, vous n'avez pas de voix. J'ai souvent voix, ça ne me sert à rien de dire la reine galloise. Parce que je suis connue internationalement. Par mon travail. Pas par la bouche. Pas par le taper la main sur la poitrine ou sur les réseaux sociaux. Jamais. Parce que je fais. Parce que moi-même, je mets la main dessus. Moi-même, je suis devant. Géraldine Tchoudou, ma petite soeur chérie, tu sais. Géraldine, tu le sais, maman chérie. La reine galloise n'attend pas ses mains des bienfaiteurs. Ceux qui pleurent beaucoup, c'est ceux qui attendent des bienfaiteurs. Ceux qui sont dans le social et qui pleurent trop. Qui pleure trop, qui pleure beaucoup. C'est ceux-là qui attendent ces bandes de bienfaiteurs là. La reine galloise n'attend pas ces bandes de bienfaiteurs. La reine galloise donne avant que les bienfaiteurs viennent. Et la reine galloise a prouvé. Les bienfaiteurs ont accompagné. C'est de ça qu'il s'agit. Valérie, maman, bonjour, maman chérie. Colette Batia, comment tu vas? Maman, va où là? Avant où là, tiens? Avant que les gars nous l'ont dit que parler des gens. Tu vas parler des gens. Tu vas parler de quelqu'un. Et la personne va rester seulement dormir, on va lui donner l'argent. Vous croyez que c'est ça le social? Parce que tu vas parler les billes. Tu vas dire, ouais, aidez, mettre le litchi, aidez, mettre ça, aidez. Et tu es toi assis comme ça. On aide. Pourquoi? Parce que toi, tu as c'est qui? On va nous suivre pour bien Yaoundé. On va nous suivre premier ministre. On va pour bien. On va premier ministre. On va où? Quand tu vas seulement te coucher, attends, c'est bon. J'attends, seulement, j'attends. Lève-toi. Travaille comme la reine galloise. Si tu veux faire dans le social. Mounawok, tu vas faire dans le social. Il faut travailler. Il faut travailler. Comme ça, avant que les gens ne viennent te soutenir pour que tu aides les gens, toi-même, tu es dedans. Toi-même, tu te lèves. Mes chers frères et sœurs, la reine galloise, mon argent qui part au Cameroun chaque mois, c'est 850 000 francs CFA. Mon argent seulement. Mon argent, 850 000 francs CFA chaque mois qui va au Cameroun. Hora! J'ai toutes les preuves avec moi. Je ne fais pas ça pour vous. Je fais ça parce que j'ai décidé dans ma vie d'élever le bas peuple. Et les enfants de Dieu sont derrière moi. C'est là qu'ils me voient faire. C'est quand c'est les enfants de Dieu, c'est quand ils descendent aux actions sociales. Même ceux qui bavardent sur la toile, c'est parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là où j'ai ouvert les actions. Ceux qui bavardent sont par contre descendus aux actions sociales. Quand vous allez descendre aux actions sociales, vous allez confirmer que la reine galloise a fait fort au Cameroun. Parce que ceux qui sont descendus ont confirmé que maman, la femme l'a fait quelque chose. Quand tu es dans le social, sois le social avec tout ton cœur, tout ton amour. Donne ça sans rien attendre. Donne sans rien attendre. Donne. Le Seigneur va toucher le cœur. Ah, à cœur ouvert de Nicole. Maman, voilà ma petite soeur qui est connectée. Nicole, tu es un chapitre. Où loin? À cœur ouvert de Nicole. Comment tu vas, ma petite soeur? Où loin, maman? Tu as fait mon vœu. Envoie le cœur pour à cœur ouvert de Nicole. Comment tu vas, maman chérie? Tu as fait. Où loin, chabonzu, belle loin. L'enfant va bien, ma petite soeur. Tu sais, t'avais dit que t'es direct là. T'es direct que tu pourrais entrer dans ton direct. Tu as déclaré un jour que tu vas faire le direct sur le Boza. Quand tu vas faire le direct sur le Boza, ta grande soeur que je suis, je serai là dans tes directs. Et je veux partager. Mais le direct que tu fais en ce moment-ci là, tu sais, je ne suis pas dans un clan sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de problème avec personne. Du coup, je peux pas, tu peux pas me voir dans ce genre de direct que tu fais parce que les directs là, ça va directement chez mes personnes aussi. Chez mes gens aussi des réseaux sociaux. Quand tu fais dans l'humanitaire, tu vas être bien avec tout le monde. Évitez ce qu'on appelle le Congo ça. Quand tu es humanitaire, tu évites le Congo ça. Les, on a dit que tes voix soient dans un truc bizarre. Non. Tu évites tout. Tu marches main dans la main avec tout le monde. Dans le respect de chaque personne, maman. Voilà pourquoi tu ne me vois pas souvent dans tes directs. Mais quand tu vas commencer tes directs du Boza, comme tu as dit la fois passée, pour sensibiliser. Moi-même, je veux partager les directs là. Je veux souvent entrer pour intervenir. Je ne disais que tu étais fâché de moi. Montre-moi. Fâché de toi. Oh, mon veut. À quoi ouvert de Nicole dit quoi?
Je me disais que tu étais fâchée contre moi, maman chérie. Maya, ton bouga que maman. Toi, tu m'as fait quoi? Avant, je veux me fâcher de toi, ma petite soeur. Je suis pas fâchée de toi, maman. Je suis fâchée de qui, maman? Tu ne connais pas la reine galloise. Je ne me fâche pas de quelqu'un, maman. Moi, comme Maya, tu as un petit ben timbo. Toi, tu m'as fait quoi, ma petite soeur chérie? Depuis là, tu le viens. En fait, depuis que tu le viens, je ne te vois même plus en direct parce que même ma page s'y est restreinte. La page s'y a beaucoup de personnes, ils n'ont même plus de notifications comme ça. Ah, Nathalie Nganja. Il y a beaucoup, peut-être aujourd'hui même toi-même tu as eu la notification. Beaucoup de personnes n'ont plus de notifications sur ma page. Je suis en direct même. Il y a ceux, parfois Facebook fait le genre que cette semaine-ci c'est l'autre vague qui a la notification. La semaine prochaine c'est l'autre vague qui a la notification. Donc ma page est mbrakata maman. Ma page est rentrée en arrière. Par rapport aux vidéos sensibles, toutes les vidéos, j'avais les millions de vues sur ça là. J'avais les millions de ce qu'on appelle aussi signalement. C'est ça qui a restreint ma page. Ça a pris du temps. Donc Facebook m'ont dit qu'ils vont me libérer. Mais pour le moment, c'est comme ça. Je fais seulement avec maman. Je n'ai pas fâché de toi. Tu m'as fait quoi, ma petite soeur? Avant, je vais me fâcher de toi. Non, maman. Jamais de la vie. Et bon, je ne suis pas fâché de quelqu'un, maman. Jamais de la vie. Ouais, fille bénie. Comme je disais là, maman, quand tu fais dans l'humanitaire, n'attends pas des gens. Toi, me mets la main dans la pâte. Commence à pétrir cette pâte-là pour que les gens viennent t'élever. Ah! Maman! Il y a une nouvelle qui arrive bientôt. Oh, mais Tonya, oh! On m'a dit que, chut, ferme ta bouche, la reine galloise. Ce n'est pas pour concurrencer les gens. C'est juste ce que Dieu veut que ça soit. Alain Bertronia, il y a une nouvelle qui arrive bientôt, Asda. Dieu veut que ça soit comme ça. Ce n'est pas un truc pour faire la concurrence ou bien le matu, jamais. C'est la part. Donc, it's the will of God. Is the will of God. Oh, maman chérie, mes amours de soeur, mes amours de frère, vous ne connaissez pas. Quand le Seigneur entre dans ta vie, quand le Seigneur, vous avez dit qu'elle est devenue seulement un prêtre, ce n'est pas moi qui fais, oh. Si bad, l'insomme, Dieu a changé mon nom. Je dois seulement être souple, je dois seulement faire azumbelon. Même quand je me fâche, oh, je fais comme ça, je parle, c'est dès que là, il dit que ouais, faut-il Béatrice? Ouais, comment mes soeurs ne veulent pas comprendre? Que ça que pour un dit, je me fâche souvent de mes soeurs des réseaux sociaux. Et il n'y a pas plusieurs soeurs qui me fâchent derrière. Ce sont les grandes soeurs, les soeurs à moi là, qu'on a commencé. Donc, qui ont, les soeurs que nous sommes depuis sur la toile souvent ensemble là, parfois il fait le genre, il fait le roi. Je fais le roi, je fais, parce que personne ne veut me comprendre. Après, je me calme, non? Si tu parles, tes grands soeurs ne veulent pas entendre, tu vas faire comment? Ça, tu vas seulement te dire que mon bam que tout, tu es seulement toi tranquille. Tu vas faire la force avec tes grandes soeurs. Non. Tu sais quand même que tu vas seulement prier que la paix reste un jour. Que la paix soit. Parce que j'ai dit, quand tu fais dans l'humanité avec chers frères et soeurs, vous allez croire que je blague. Mais les personnes spirituelles vont dire que c'est la vérité, ce que la dame l'a dit. Quand tu fais dans l'humanité, que tu as été appelé par Dieu, tu quittes dans le Congo ça. Tu quittes dans. Même si on dit n'importe quoi de toi. Le silence va t'élever. Le silence va t'élever. Ton silence va te propulser. Dieu va te mettre au sommet. Quand tu as décidé de servir les 100 voix. Les 100 voix sont des gens spirituels. Hein? Les 100 voix sont des gens spirituels. Ibrahim Chaman, bonsoir. Donc c'est Ibrahim Koulibaly. C'est pas Ibrahim Koulibaly qui me salue là. Tu as changé le nom, papa. Ibrahim Chapman, bonsoir papa. Donc des personnes, les gens qui sont dans l'humanité, c'est des personnes très spirituelles. Ils remettent toujours tout à Dieu. Les personnes qui travaillent dans l'humanité, que Dieu les a pris dans l'humanité là, c'est des personnes qui ne connaissent pas rendre le lot. On dit quoi là? Rendre la pièce de la monnaie. Que quand tu gifles comme ça, pars, ils te donnent l'autre jour que gifle. Tu pars, ils s'en vont. C'est des personnes même qui meurent. Tout. Seulement pour servir Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Hey, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous connaissez ce que c'est que les enfants différents d'abord? Les enfants différents, c'est les enfants qui sont déjà, qui ont l'esprit de Dieu en eux. Ça veut dire que si tu viens vers eux, mal, si tu ne peux pas les regarder, ils vont te dévoiler. On va finir l'ordre, quoi. Mais quand tu viens vers eux, bien, oh, mes chers frères et sœurs, les choses se passent comme ça, là. Les choses se passent comme ça dans ta vie. Mes chers frères et sœurs, nous sommes samedi aujourd'hui là. Si je vous dis les dons, ceux même qui ont refusé que je ne mette pas les dons sur la toile. Ceux même qui ont refusé, vous allez dire que, hein maman, en semaine,
il y a les médecins de montagne qui sont arrivés en dernier, lui là. Avec les plantains, haricots, tout. Et ils disent souvent, ils disent que c'est l'orphelinat. Mais quand ils arrivent, ils disent, maman, tu as fait fort. Donc dans la semaine, si vous allez voir les plantains, on va préparer aux actions sociales, le haricot, le coquille, tout et tout là. C'est ce qu'on a reçu comme don aujourd'hui, le soir-ci là. Des médecins de montagne. Et il y a mon frère. Quand il dit mon frère, ça veut dire un enfant du Seigneur que Dieu a envoyé. Mon grand Urbain. Happy birthday, papa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Aubin. Joyeux anniversaire. Ce jeune frère, résident en Italie, qui a décidé aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, de venir fêter son anniversaire. Il a envoyé sa maman. Il faut voir les dons que l'enfant l'a apportés. Il a envoyé ça. On a coupé son gâteau aux actions sociales. Les dons qu'ils ont apportés. Et il y a une association, Bethel. Le pasteur, notre papa pasteur qui est arrivé avec son équipe. C'est pas la première fois qu'il fait les dons. Hein. Ils vont, ils reviennent. Hein. Quand les gens rentrent à Asda, ils disent qu'on revient. On revient. Quand les gens entrent à Asda, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils disent? La reine galloise, nous sommes avec toi jusqu'à la gare. Quand on voit sur la côte, tu parles, on voit les vidéos là, on ne vient pas. Il faut que les gens viennent sur le territoire pour confirmer que non, si tu travailles le travail de Dieu. J'ai décidé de servir mon Seigneur le 9 novembre 2019, le jour du diagnostic de mon dernier enfant. Rappelez-vous ce jour-là. Je me suis écoulé devant le docteur pédiatre. J'ai dit, je veux servir mon Dieu. C'est le message qu'il m'envoie. Je passerai le reste de mes jours sur terre pour servir mon Dieu. Voilà la maladie de la peau que j'ai eue au pays. Voilà mon petit frère Bertrand Nia qui est là. Il va vous dire. La maladie de la peau que j'ai eue au pays. Une autre personne m'a fui que oh, on m'a fait. Oh, on a fait ça. Regarde, j'ai même rasé ma tête à cause de ça. Mais je suis dedans balata. Ça ne me fraye pas. J'ai dit, quand tu es au service du Seigneur, attends-toi plus que ça. Le Seigneur va tout me couvrir avec ses ailes. Et les enfants, les 100 voix, le message que Dieu veut que j'envoie là, on va envoyer ce message. On va envoyer ce message va arriver à bon port. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive bientôt. Hein. Je ne vous dis pas ça maintenant. Hein. Mais attendez. Quand je vais vous parler ça, maman, Maman, une bienfaitrice, elle mêlait dans le combat des enfants différents. Voilà, maman. Elle mêlait dans le combat des enfants différents. Abonnez-vous à sa page. Elle édifie sur l'autisme. Elle parle encore même plus parce que c'est des personnes qui sont allées à l'école. Parce que même quand l'école est finie, ils ont continué à partir à l'école. Donc elle aime français. Elle a un sou accroché. Tu aimes français. Quand on trouve l'autisme. Pourtant, les nous, là, c'est la volonté de Dieu. Les nous, là, c'est l'inspiration des mamans que nous avons eues. Qu'on édifie aussi d'autres personnes. Mais il y a d'autres qui ont appris. Qui apprennent encore jusqu'à. Ayana's Croche Fondation. Attends, j'ai épinglé son truc. Abonnez-vous sur sa page, pardon, mes chéris. Bah, j'ai épinglé Ayana Croche. Elle, si tu veux, elle peut même vous orienter vers des structures qui font aussi dans le. Qui aident des personnes en Afrique là-bas, comme Solution Autisme, Boko ou Noël Kemwe, est bénévole, ou la maman de Kigali. Que j'ai dit d'abord mes félicitations à maman de Kigali, elle bénévole puis et tout ça là. Et il y a beaucoup de structures de autisme là-bas. Elle peut vous orienter. Mais chez la reine galloise, c'est la voix de Dieu. Et s'il vous plaît de grâce, ces personnes qui vont dire à leur famille que la reine galloise prend 5 francs pour que les parents viennent là-bas faire les trucs là, c'est le mensonge. Si quelqu'un vient vous dire que la reine galloise prend l'argent aux actions sociales aux parents, c'est le mensonge. La reine galloise, Bertrand, écris ce que nous faisons là-bas. La reine galloise, tu t'enregistres aux actions sociales. Les parents, déjà nous acceptons les parents démunis. Les parents pauvres. Les parents pauvres, démunis.
avec les enfants différents, de 0 à 16 ans, l'enfant amène quoi? Le parent amène quoi? L'acte de naissance. Pourquoi nous avons exigé l'acte de naissance? Parce qu'au départ, on avait au moins 500 enfants aux actions sociales. Et tous ces 500 enfants, sur 500 enfants, on avait au moins 350 qui n'avaient pas d'acte de naissance. Ce qui n'est pas normal dans un pays. Donc on a commencé notre premier combat, mes chers frères et sœurs, à faire ce que les parents font l'acte de naissance de leurs enfants. Au départ, j'ai pris l'initiative de donner l'argent à ses parents pour l'acte de naissance. Donner les dons d'acte de naissance. J'ai vu que ça n'avait pas me laisser. J'ai dit que non. Puisqu'on donne, il y a les dons financiers pour le commerce. On donne, il y a les provisions. On donne tout ce que nous recevons là. On ne peut pas aller comme ça. Ça ne va pas nous laisser. Donc, je commençais à exiger aux parents que pour s'enregistrer au centre social, il va falloir que le parent ait ce qu'on appelle l'acte de naissance de l'enfant avant de s'enregistrer. C'était un bon combat. Ça parce que le reste de 250 parents qui sont restés aux actions sociales, tous ont fait l'acte de naissance. Est-ce que ce n'est pas ça le combat? Donc, pour s'enregistrer à ASDA, le parent doit être démuni. Tu as pour toi, tu ne viens pas toi. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, maman. On ne peut pas. On aide que ceux qui n'ont pas de lumière. Ceux qui ont les enfants comme moi-ci et qui n'ont pas de lumière, c'est eux qu'on aide. C'est eux qu'on essaie un peu de soutenir leur quotidien et tout là. Enfin, qu'ils ne soient plus trop stressés, qu'on les a abandonnés. En fait, ceux qui peuvent arriver au centre, hein, parce qu'ils sont nombreux à Douala. Ils sont nombreux à Douala, d'autres ont la paresse. D'autres sont fatigués. Et d'autres ne croient même pas à l'initiative. Ils se disent que c'est une façon de vendre l'âme des gens. Qu'on a déjà vu où en Afrique, une personne donne la nourriture, elle donne les lèches comme ça, elle donne comme ça, elle donne les fonds de commerce, que c'est la sorcellerie. Donc il y a beaucoup qui ne croient même pas à ça. Et ceux qui ne croient pas sont en train de perdre. Comme on dit toujours que dans la vie, il y a toujours des perdants et il y a des gagnants. Et il y a ceux qui ont même de la nourriture dans leur bouche. Eux, ils vont rejeter. Et ceux qui connaissent attraper la nourriture. Donc, ce n'est pas tout le monde que la nourriture à ta porte. Eh ben, tu ouvres la porte pour prendre la nourriture. D'autres verront la nourriture devant leur porte. Et ils vont taper les pieds. Même quand Jésus s'était mis au bord de la mer, il a mis la main en haut comme ça. Les poissons tombaient avec les pains. Ce n'est pas tout le monde qui mangeait le poisson et le pain là. Et il y a ceux qui refusaient le poisson et le pain. Qui peuvent mourir de famine. Donc, la vie est faite ainsi. Donc, c'est pour vous dire, maman chérie, mais papa, mais maman, si une famille à vous vient vous dire que on prend l'argent aux actions sur le mensonge. Par contre, il y a solution autisme qui prend l'argent là-bas. Parce que là-bas, les parents viennent déposer les enfants. Ça dépend de la condition du parent. Ça dépend du finance du parent. Solution autisme qui est située à Bonamou, ça dit. Le parent donne quand même quelque chose parce que là-bas, elle paye les bénévoles et tout aussi. Tout ça, tu là. Donc, le parent donne quand même quelque chose avant de déposer l'enfant pour aller faire ses activités. Ça, c'est autre chose. Moi, c'est une charité. Ah, même c'est une association toujours à but non lucratif, comme moi. Mais moi, j'ai pris l'initiative que les parents et les enfants doivent rester. Donc, pour moi, c'est. Pour elle, c'est comme une école. Pour moi, c'est un playgroup. Pour moi, c'est des activités. Donc, c'est une place de loisir des enfants différents. Ce n'est pas une école. C'est ça la différence. Et moi, j'ai mis ça aussi sur plat parce que j'ai cette chance d'être sur les réseaux sociaux. Et en tant que parent des enfants autistes, j'ai pris l'initiative avec la voix de Dieu de mettre cette structure pour permettre à mes frères et sœurs du monde entier de s'unir avec moi afin qu'on élève le bas peuple là. Donc ce n'est que ça. On ne fait pas ça pour de l'argent. On ne fait pas ça pour prendre l'argent aux parents. Ils ont d'abord quoi? Donc quand si un parent vient vous dire que oh, la règle demande l'argent, c'est le mensonge, mes co. Par contre, ils peuvent vous demander l'argent par rapport à la carte d'invalidité. Carte d'invalidité, c'est une carte qui les permet d'avoir des soins gratuits au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les sous-quartiers, étant pauvres avec les enfants handicapés, qui ne connaissent pas qu'ils ont le droit, qu'ils ont leur droit eux-mêmes, qu'une carte d'invalidité peut les aider. Donc, maman, quand on a vu qu'on devait soutenir les parents avec l'argent pour aller faire les cartes d'invalidité, on devait rester avec combien, maman? Mon papa, Alain Foucault, avait envoyé 1 million de francs CFA. On a pris 1 million de francs CFA. Pendant un mois et demi, deux mois, on a géré les actions avec. Les actions, c'est une action qui part, qui tourne chaque jour. Il faut payer les factures, il faut payer les activités, il faut payer ça, il faut. C'est une truc qui tourne. C'est comme cette semaine-ci, avant que la semaine ne finisse là, comme cela. Nous sommes pris après à plus de 800 000 francs CFA de dépenses aux actions sociales. C'est pas la semaine-ci là. N'oubliez pas que je paye le transport des parents. N'oubliez pas que je donne le fonds de commerce aux parents. N'oubliez pas qu'il y a les parties des actions à payer. N'oubliez pas que les enfants mangent chaque jour. Mes chers frères et sœurs,
Madame Mbolas insista. Et n'oubliez pas que la reine galloise prend son argent elle-même aussi pour payer le bénévole. Pour payer le bénévole, par personne. Bénévole, par un bénévole aux actions sociales à l'heure c'est parce que j'ai diminué. Tout 25 000 francs CFA, une personne. Par semaine. Par semaine, je les encourage. Parce que c'est des personnes qui sont mises à fond pour structurer les choses. Pour mettre les choses au propre. Pour mettre les choses bien. Pour aider. Ils sont vraiment engagés dans l'humanité. Il faut les encourager. Le transport est cher au Cameroun. La vie est chère au Cameroun. Tu n'es pas sorti de ce toit. Tu viens aider toute la journée. On te donne 1000 francs. Parce que tu dis que tu es bénévole. Maman, et on fait avec les enfants handicapés et démunis. On fait avec les enfants handicapés et démunis. Vous connaissez ce que c'est que un enfant handicapé et démuni au pays. Oui, maman, je suis Ayana Croche, ma foundation, ma darling sister. Je vous dis que je ne veux pas l'humanité pour me montrer. Je suis née humanitaire, maman. Je donne parce que je sais que ces parents, ces familles qui viennent soutenir la reine galloise. Je ne suis pas au Cameroun, mais ce sont mes yeux là-bas. C'est eux ma force. C'est eux qui tiennent les actions. Si on amenait les bénévoles, c'est bon, venu travailler. Sans les donner vraiment. Sans les prendre vraiment au sérieux. Ça devait être du gros n'importe quoi. Chacun devait tourner à sa façon parce que je ne suis pas là. Mais pourtant, maintenant, si. Eux, ils font de leur mieux pour mettre tout en mer. Pour mettre tout en marche. Eux, ils ne, oui, plus de 100 000. Il y a d'autres qui touchent même plus de 100 000. Il y a d'autres qui touchent même 140 000 au mois. Je veux dire, celui qui n'a pas touché. Celui qui n'a pas touché, c'est 25 000. Il y a d'autres qui touchent 140 000 le mois là-bas. Ah oui, mes chéris. Et c'est moi qui paye avec mon argent. With my money. Je ne tue pas l'argent des actions. Depuis petit, elle fait de l'humanitaire. C'est dans le sang. Voilà mon petit frère qui parle. Bertrand Yalo, voilà qui parle. Attends, j'ai peint son commentaire, vous le lisez. Peut-être vous croyez que je blague. Voilà ça. Et je vous avais dit, si vous suivez mes directs depuis des années, vous allez comprendre le message que je passe en disant que quand je veux commencer un truc sur la toile, parce que la voix de Dieu me demande de faire quelque chose, vous serez tous dedans. Vous serez tous impliqués. Les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Mes paroles étaient toujours les proverbes. Que bientôt on va commencer quelque chose sur la toile. C'est la voix de Dieu qui me dit de vous dire ça. Vous croyez que peut-être je blaguais. Je mets mon argent dans l'humanitaire. Je n'attends pas seulement des bienfaiteurs. Et il y a même parfois PayPal là. PayPal ne sonne dans rien. Il n'y a pas 5 francs dans PayPal. Personne ne donne rien. Mobile money. Voilà mon petit frère qui est là. Il va vous dire. Mobile money. Personne ne donne rien. Ce sont des bienfaiteurs. Tu ne peux pas les appeler pour dire que. Et il n'y a pas un bienfaiteur qui va vous dire que la reine galloise m'a appelé pour pleurer. Jamais de la vie. Jamais. Moi-même, j'arrive à travailler le goût du partage. Courant ma bique. Oui, maman chérie Géraldine. Et comme j'ai dit, Dieu me donne la vision, les gens qui doivent être aux alentours de moi. Ce n'est pas tout le monde qui entre à Asda pour travailler à Asda. Jamais. Ce n'est pas tout le monde qui entre à Asda comme ça là. Parce que Dieu me donne, me montre. Le Seigneur me montre, on dit quoi? L'esprit du discernement. Le Seigneur me parle avant que n'importe qui n'arrive. Je ne parle pas ça pour vous frustrer, mes chéris. Je parle seulement pour dire aux gens qui parlent. Qui croient qu'ils connaissent l'humanitaire, ne connaissent pas l'humanitaire. L'humanitaire, des personnes qui font dans l'humanitaire, c'est des personnes qui tolèrent. C'est des personnes qui ne sont pas, que tu ne rends pas le mal par le mal. Tu ne dois pas être impliqué dans n'importe quoi, jamais. Quand tu fais dans l'humanité, tu dois être sain. Les humanités, l'humanitarienne, c'est des enfants de Dieu. Des personnes qui font dans l'humanité, c'est des enfants de Dieu. Et sachez que le Seigneur ne voit pas si tu parles français bien, ou bien tu parles bien anglais, ou bien tu connais bien écrit avant de te mettre dedans, jamais. Beaucoup de personnes, même parfois, sont comme si les têtes ne t'aimaient pas. C'est là où Dieu vient te choisir. Dieu parle à travers toi. En sachant que beaucoup de ceux qui ne voient pas vont te simplifier. Mais les enfants qu'il va choisir dans le monde vont t'élever pour que tu élèves les autres. C'est ce qui se passe, mes amours. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, hein. Parce que moi, je prépare maman. Depuis le matin, je suis dehors pour travailler. Maman, il faut un jour massif. Moi, il faut 5 offices, 3 appartements, 3 à 4 appartements aujourd'hui, là. Où je suis là, tout mon dos est fatigué. J'ai travaillé, maman. J'ai balayé le sol, maman. J'ai aspiré le sol, les placards, les comme ça, nettoyé les lits, nettoyé les toilettes jusqu'à ce que les vertiges, même les pipis sont sortis de mes fesses.
me sont du royaume. J'ai lavé pour moi et venu aujourd'hui, maman. Regardez mes doigts. Travaille de ça. À la fin de la semaine, mon boss me donne combien? 450 livres. C'est petit. Quand je bosse même le samedi, il me donne 450 livres. Parfois, il me met même 500 livres par semaine. Pour m'encourager. Que bravo. Pour m'encourager, que bravo, ma chérie. Je te tire chapeau. Voilà ça aussi un peu que je demande même pour les enfants handicapés. Et qu'est-ce que je fais avec ça, Beko? J'envoie au pays, non? Je sors 200 livres à côté, j'envoie le reste. J'envoie au moins 850 livres chaque mois. Et je vous ai dit, si je vois une structure sociale qui œuvre comme moi, je vais soutenir cette structure-là. Mais tant que je ne verrai pas cette structure qui œuvre comme moi, là, je ne pourrai pas soutenir comme ça. Je peux donner une fois, je pars. Mais si je vois une structure qui œuvre comme moi, là, je peux mettre un budget que voilà, 400 livres par mois que je donne à cette structure. Ça ne chauffe pas. Ne me dis pas que tu as là construit pour toi. Il y a ceux qui vont construire. Et d'autres qui vont marcher seulement sans construire, mais aider les autres. Blessed Winner, nous ne sommes pas pareils. Hein, maman, Blessed Winner. Nous ne sommes pas pareils dans la vie. Il y a d'autres qui vont construire. D'autres qui auront ça. D'autres qui seront des patrons. Et d'autres qui vont seulement accompagner les patrons. Et d'autres qui viendront sur cette terre-ci pour travailler pour les autres. Pour travailler, avoir l'argent, donner seulement aux autres. Ce n'est pas nous qui faisons. Nous sommes différents sur la terre. Ne dis pas que tu as regardé ton derrière, tu as arrangé ton derrière. Si, Dieu a arrangé mon derrière. Car si je ne suis pas là aujourd'hui, là, les enfants seront bien pris en charge. Les enfants n'auront pas de problème. Les enfants ont compte bancaire que l'argent entre dedans. Ils n'ont pas de problème. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour le bien-être des enfants là qui sont en Afrique? Mes amours de frères et sœurs. My darling brothers and sisters. J'ai des pauvres dans ma famille. J'ai des personnes qui n'ont pas dans ma famille. Mais j'ai choisi avec la voix de Dieu. Ma voix, cette jeune petite fille, depuis mon jeune âge, quand je fermais les yeux comme ça. Pendant que mes amis rêvaient d'être les docteurs, les footballeurs et tout là, moi je rêvais toujours, je voyais toutes des structures sociales, Mariama, pour aider le bas peuple avec l'handicap, pour donner seulement. On disait, nous rêvons pour être des riches, pour être riches et avoir comme ça. Toi tu rêves seulement pour avoir et donner seulement aux sans voix. Ma vision, c'est la vision, hein, ça ne manque pas. Hein. Ma vision était tout autrement. Voilà, tout, voilà pourquoi ce n'est pas aujourd'hui que je partage. C'est depuis mon jeune âge que je partage. Je partage. Parce que tu n'as pas une habitude du partage. Tu ne peux pas faire dans l'humanitaire. Tu ne peux pas réussir dans l'humanitaire. Donc, mes chers frères et sœurs, vos soeurs qui viennent vous dire qu'on prend l'argent chez la reine Galois, c'est le mensonge. Hein? La reine Galois, tu t'enregistres avec ton acte de naissance. Il faut que tu sois démuni. Tu n'es pas démuni, je ne t'accepte pas. Il faut que tu sois démuni parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. C'est mon concept là-bas. C'est des personnes pauvres. Parce que moi, je viens d'un quartier pauvre. Je viens de la pauvreté. Voilà pourquoi la vision de mon enfance, là, il faut que j'arrange ça. Je viens d'un quartier pauvre. Je viens de Ngonsoa. Je viens de Brazzaville, Pemisoubou. Donc, je viens de quartier pauvre. Je suis né dans des quartiers pauvres. La vision de mon enfance. Les enfants handicapés qu'on tapait et que c'est moi qui protégeais au quartier là. Ce traumatisme est dans ma tête. J'avais promis à mon Dieu. Et le moment de Dieu, comme il avait dit, quand le moment va arriver, je t'enverrai mes enfants qui vont t'accompagner. Beaucoup d'entre vous, vous ne dormez pas. Vous ne dormez plus chez vous. Ce n'est pas vous qui faites. Ah, j'ai raison de dire que ce n'est pas vous qui faites, maman. Vous faites un moment quand tu vas avoir tes yeux mollis à ma maman. Maman, les yeux mollis à quand le moins il va 100 fois te tomber, maman, Jean. Beaucoup d'entre vous, ce n'est même pas vous. Vous ne faites même ça, vous ne faites même pas ça par vous, de donner à la reine galloise. C'est le Seigneur, c'est la promesse de Dieu. Le Seigneur qui a parlé en moi, parle en vous. Que donne aux actions sociales, la reine galloise. Vous dormez chez vous, vous ne dormez pas. Ceux qui ont même déjà donné, sont encore en train d'arranger pour venir donner encore. Parce qu'ils voient ce que j'ai fait avec. Ceux qui n'ont pas encore donné, et qui sont durs, qui disent que je ne donne pas, ça ne... Ce n'est pas vous, hein. Vous êtes des personnes saines, des personnes propres, des personnes bien. Vous avez juste le macabre de la reine galloise. Mais à la fin, vous allez appeler la reine galloise pour remettre le don des 100 voix là. Et vos cœurs seront tranquilles.
J'ai vu une vidéo d'un orphelinat d'une maman de 107 ans. De 107 ans, mes chers frères et sœurs. Une maman de 107 ans qui a l'orphelinat et qui est dans l'eau, la tête battue. Attendez un peu. Ça m'a dépassé beaucoup, vous savez pourquoi? Parce que je crois que maman, à ce que Dieu a laissé jusqu'à 107 ans, elle a commencé à regarder les orphelins à quel âge? Le plus vieux de son orphelinat à quel âge? Les enfants qu'elle a tant élevé à l'orphelinat là, personne de ces enfants n'est sorti être quelqu'un pour aider la maman là. Parce que moi je sais quand même que beaucoup des orphelinats parfois, quand ils élèvent les enfants, et que les enfants deviennent quelque chose, les enfants rentrent aider leur maman. Parce qu'il y a des grandes dames aujourd'hui qui ont des orphelinats encore plus modernes grâce à leurs enfants qu'ils ont élevés. Hein. Grâce aux enfants qu'ils ont élevés. Comment la maman là a 107 ans et elle vit toujours dans cette... Elle vit toujours comme elle vit là comme ça avec les enfants. Et il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Je pas, moi-même, j'irai au Cameroun donner les dons à cette maman. Je serai au Cameroun bientôt. Quand elle va arriver au pays là, je vais partir à Yaoundé, déposer les dons à cette maman là. Et je vais causer avec la mère là. Je prie Dieu que, que le Seigneur donne encore la chance à cette maman, au moins 20 ans encore de vie. Pour que nous parlons pour elle. Parce que je ne comprends pas moi comment une maman a 107 ans. Et elle vit dans la terre battue, avec des enfants encore comme ça. Où sont des orphelins? Parce que j'ai appris qu'elle a deux maris qui sont décédés. Elle a perdu ses deux maris. Où sont les autres? Elle a perdu, qu'elle a perdu son premier mari, elle avait 16 ans, ses orphelins qu'elle gardait. Le deuxième mari aussi a accepté les autres orphelins. Ils ont vécu un peu, lui aussi il est mort. Avant qu'elle est rentrée, où elle est rentrée là, pour rester avec les autres. Et si elle a 107 ans, ça veut dire qu'elle a commencé à faire dans à regarder les orphelins à quel âge? Est-ce que les enfants, les premiers orphelins qu'elle a regardés, où sont-ils? Ils sont où? Ils sont seulement que morts. Ils sont vivants. Parce que si elle a 107 ans, ça veut dire que les autres orphelins sont des papas. Peut-être ne sont pas peut-être entrepreneurs, mais ils sont déjà quand même grands. Ils se battent déjà. Oh! Zambé Nangai, Zambé ya solo, Zambé Nangai, solo zali, Zambé Nangai, allo bio ya yao. Tout ce que Dieu fait bon. Tout ce que Dieu fait bon. Mais cette maman a une histoire à nous raconter. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On parle de l'histoire de la mère là. Mais on coupe trop l'histoire de la maman là. Elle a une histoire à raconter. Où sont ses premiers enfants? Parce qu'elle a un petit enfant bébé. Hein. Mais où sont les premiers? Puisqu'elle a 107 ans. Hé! Hey! Mitounia! Mitounia! Joffre! Elle est encore à ce niveau-là. Quelque chose ne va pas. T'as joué un que t'as dit. Mais je ne suis pas Dieu pour demander. Le moment venu, elle va nous parler ce qui ne va pas. Donc, sur ce, mes amours, je vais vous laisser en vous disant que chez moi, on ne demande pas l'argent pour que les parents viennent intégrer. Chez moi, c'est uniquement l'acte de naissance. Et nous encourageons les parents d'avoir la carte d'invalidité. Pour la carte d'invalidité, eux, ils doivent se démerder. Ce n'est pas moi. Parce que je ne peux pas. Pour la carte d'invalidité, c'est pour soigner les enfants. Et quand un enfant est malade aux actions sociales, le parent amène l'enfant à l'hôpital. Le parent apporte l'ordonnance. Ce qu'il a payé déjà pour son enfant. Nous remettons les 10%, 20%, 30% selon ce que nous avons dans les caisses. Voilà notre aide contre nos parents. Mais ce qui a amené les enfants des parents à l'hôpital, on ne fait plus jamais ça. Nous, on s'est désengagé de plus sur ça. On n'est plus là pour amener vos enfants. Nous sommes une structure sociale qui avons décidé de vous accompagner dans le quotidien. Ça veut dire qu'on vous donne la chance d'amener vos enfants quelque part pour s'épanouir pendant que les autres sont aussi à l'école. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir les enfants à l'école. Parce que les enfants sont handicapés. Ce n'est pas facile. Les écoles sont trop chères. Donc, ce que nous faisons, c'est quoi? Vous amenez ces enfants chez nous. On les fait amuser. On les fait aussi un peu comme à l'école, tout et tout, tout ça là. Et vous avez vos dons à la fin de la semaine. À la fin de la journée. Donc, ceux qui amènent les enfants pour les activités, à la fin de la journée, rentrent toujours avec le sac. Rentrent avec les provisions de cet enfant-là pour la semaine. C'est ce que nous pouvons faire pour vous, mes chers frères et sœurs. Et quand il y a moyen, on vous donne les dons de fonds de commerce. Pour vous soutenir dans vos commerces, multiples commerces à la maison. Ce n'est que ce que nous faisons. Et
quand les bienfaiteurs apportent maintenant les dons, on vous distribue ce que les bienfaiteurs apportent. Les habits, auto, même jusqu'aux médicaments, on vous distribue tout ça. Vous tous, vous voyez, j'ai fait dans la transparence. Ce n'est pas une structure que j'ai ouverte pour porter l'argent comme ça. Maman, parce que moi, mon argent dans la vie, mon bonheur, ma joie, oh Seigneur, je parle avec tout le cœur, vous comprenez papa, tu connais ce qu'il y a dans mon cœur. C'est de voir mes deux garçons parler. C'est de voir mon premier fils Luther et Bradley, mon dernier, me dire maman, je veux manger. Maman, je veux faire comme ça. Maman, je suis allée à l'hôpital, à l'école, voilà ce qui s'est passé. Maman, aide-moi à faire mes devoirs. C'est le rêve d'une maman. C'est le rêve de nous, les mamans avec des enfants différents. Non verbal. Je veux voir mon fils parler couramment. C'est ça mon rêve. Je veux voir notre Afrique changer. Je veux voir le gouvernement en Afrique prendre au sérieux le combat des sans-voix. Je veux voir le gouvernement en Afrique passer de maison à maison pour aider le bas peuple, en leur donnant un peu de vivre, un peu de tout pour les soutenir. Je veux voir ces personnes en Afrique, les enfants même en Afrique qui sont dans l'handicap, avec l'handicap, être vus positivement à la vue du monde entier. Je veux que notre Afrique change. Je veux que nos enfants là soient heureux comme les enfants ici chez nous. C'est ça ma richesse. C'est ça mon vœu que je demande à Dieu sur terre. L'argent. L'argent ne m'importe pas. L'argent, c'est pour élever les actions sociales diaspora africaine. Je suis au service de sans voix jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Merci infiniment mes amours de m'avoir suivi. J'ai trop travaillé, je ne peux pas beaucoup bavarder, pardon. J'ai trop travaillé, trop. Toute la journée au travail. Quelle maman va laisser ses enfants comme ça, avec sa petite là, pour aller travailler, parce que je vais élever un centre. Il n'y a que Dieu pour me donner cette force-là et ce courage. Et je loue le Seigneur. Glory be to God. Merci mes amours. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Mais je remercie. Merci mes amours. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Bon week-end à vous tous. Je serai à Paris vendredi. Vendredi, c'est la soirée du Ben Sikin. Vous savez que j'adore le Ben Sikin. Master Charlie Jones va danser le va-va-va-va-va-va. Va-va-va, comment que dit? Va-va-va, comment je tune? Va-va-va, c'est quoi mon frère? Va-va-va, ce sont les fesses. Au billet, je tune là, va-va. Oh, je tune là. Hé, retournez-moi les autres. Je serai à Paris vendredi, maman. Parce que la reine Galose travaille beaucoup, mais elle n'enjoye pas. Je serai à Paris vendredi, reçu par ma star, Charlie Jones. Oui, c'est ma star Charlie Jones qui me reçoit à Paris. Je serai là vendredi. Donc, maman, pardon. Le jour là dans la salle, Emma, il n'y aura pas comportement. Hein. Ne dis pas que la reine Galose n'est plus à ton niveau. Je veux va, va, va. C'est parce que vous parlez là. Je veux tuer le va, va, le jour là. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez de la fête de la musique? La fête de la musique une année là. Que j'avais dansé là-bas à la gare du Nord. Le monde était sorti là. Le jour là, je serai la danseuse de même mort Charlie. Je serai la danseuse de Charlie Jones. On parlait souvent des femmes. Je croyais avoir tout vu. J'ai rencontré une autre. Elle n'avait pas le lot. Elle avait le derrière, c'était le Terminator. On appelle ça quoi? On appelle ça le baba. Baba bab, comment que dit? Baba bab, comment je tune? Baba bab, c'est quoi mon frère? Baba bab, ce sont les fesses. Bon, venez, je tune là. Baba. Oh, maf. Pas de comportement vendredi, hein? Je suis à Paris vendredi pour manger la vie. Je serai ma star, Tania Mott. Ma star, Charlie Jones. Et je vais rencontrer aussi, je ne sais pas comment je vais voir. Je serai avec mes stars le jour-là. Je serai avec mes icônes le jour-là à Paris. Mes chers frères et sœurs, je vais à Paris à la soirée du folklore. Oui. Je vais danser le va 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 va. Oh, va 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 va. Ça va tuer pour tuer, dis donc. Celui qui va manquer, c'est juste son problème. Ah bah que dire? Ah bah où la dire? Je vous aime mes amours, merci mes chéris. Je vais faire la sauce gombo avec le poisson là vite fait. Pardon, je suis fatiguée, maman, pardon. Bisous mes chéris, love you.